J'ai demandé mon badge caméléon, j'ai reçu un mail, et maintenant je fais quoi? Eh bien, maintenant, il te faut te créer un compte sur Open Badge Passport. Choisir si tu veux rendre ton badge public ou non. Et tu verras que tu peux même choisir d'afficher ou non les éléments de preuve que tu as produits pour obtenir ce badge. Oula, bon, ok. Je vais commencer par me créer un compte sur Open Badge Passport. Tu verras, souvent le site affiche par défaut en anglais, mais t'as toujours la main pour changer et régler en français. Ensuite, tu indiques, comme pour tout site de ce type, ton mail, un mot de passe et tes noms et prénoms. Ok, donc quand j'ai fait ça, j'arrive sur l'accueil. Eh mais regarde, j'ai un badge en attente. Ça veut dire quoi ça? Alors, clique dessus et tu verras que systématiquement, lorsque tu fais une demande de badge et que tu l'obtiens, eh ben c'est ici qu'il t'attend. Tu n'as plus qu'à cliquer et l'accepter. Et il me propose plusieurs options? Exact. En fait, il te propose de paramétrer la confidentialité de ton badge. Donc, là, il est sur privé. Oui, par défaut, le badge est toujours en privé. C'est à toi de faire le choix de le partager avec des personnes qui auraient déjà un compte sur Open Badge Passport, c'est la deuxième option, ou bien de le rendre public et donc visible de tous. Ok, donc moi, si j'ai pris un Open Badge Passport, c'est pour qu'il se voit. Donc, je vais le rendre public. Du coup, là, je clique sur public. Ah, mais c'est génial, je vais pouvoir le partager sur mes réseaux. Oui, absolument. Tu peux aussi et surtout le partager en le copiant via un lien URL que tu copieras dans un mail ou un autre outil. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'une fois que je l'ai rendu public, tout le monde peut voir le contenu de mon badge? Oui, en l'état, c'est le cas. Par contre, tu vas pouvoir changer tes paramètres pour décider d'afficher ou de cacher tes éléments de preuve. Ok, donc quand je retourne dans mes paramètres, ce que j'ai rempli dans le formulaire pour obtenir mon badge, c'est-à-dire les preuves qui m'ont été validées pour obtenir mon badge, je peux décider de les cacher. Oui, c'est ça. Ce qui te permet de rendre visible ton badge, de le partager, sans forcément communiquer ce que tu as produit pour obtenir le badge. À bientôt pour un nouveau tuto.